Bonjour à tous, c'est ActimelDB, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'Overwatch, donc ça me fait super plaisir. J'ai changé 2-3 réglages en espérant que voilà, ça se voit en vidéo en tout cas. Et surtout qu'on m'entende bien, c'est ça que j'ai peur surtout. Bon bref, je m'excuse d'avance tous les désagréments, voilà, je suis pas une pro du streaming, mais bon. Donc là, petite vidéo parce que bah, c'est mon événement préféré en ce moment sur Overwatch, c'est Halloween, tout simplement. Et à chaque fois, c'est des super skins, après le jeu en lui-même, en arcade et tout, il est pas mal. Il y a certaines cartes qui changent aussi quand on joue. En mode Halloween, enfin, un truc qui fait peur, c'est super super cool. Là on voit là Amande sur son Amande ou le hamster Amtaro en fait sur une citrouille, hein, voilà, en train de manger le chapeau et derrière une sorte de mecha, hein, ça boule. Franchement j'adore, il est trop mignon. Et là sans plus tarder, je vais vous montrer un des modes d'Halloween. Donc là le on va dire le plus basique, la vengeance du docteur Shackenstein. Ouf. J'ai réussi à le dire. Donc voilà, je clique. Bon, puisque je suis censée vous le montrer, on va le faire en normal. Donc en gros, c'est Walking Dead, hein, survivre à une horde de zombies robots. Entre temps, défoncer. Personnages du jeu en mode Halloween est super méchant, genre Faucheur, Junk, Chopper, il y a Symmetra et même Mercier. Donc voilà, voilà le topo. Et on aura le choix entre 6 héros pour défendre cette porte en espérant, je dis bien en espérant avoir une bonne compo. J'ai surtout peur de ça. Je vais voir ce que je vais prendre. Ah bah déjà il y a un Thor, parce que c'est très bien. Non, je le voulais. Pourquoi j'ai hésité? Pourquoi? Oh. Oh, je vais être nulle. Bon bah tant pis, je prends ma grille. En fait, je voulais soit Thor, soit Soldat. Et comme il avait son Genji, je me suis dit non, non, non. Au final, il a changé. Et voilà. Je suis triste. Ah, super petite cinématique. Je vais la laisser juste pour embêter les autres. Ah, c'est trop classe, en mode film noir et blanc et tout. Et là, on commence. C'est parti. Alors, jugez pas. Hein. J'adore McCree. Mais niveau visé, c'est pas bon. Niveau visé, c'est pas ça. Hein. Voilà, je suis plus soldat. Mais bon, ça va être rigolo. Je vais me mettre ici pour essayer de choper les robots. Oh, je vais tout. Oh, et la tourelle qui me chope. Il faut que j'ai mon ult avant. Avant Faucheur, comme ça je peux essayer de le one shot. Oh mais s'il se met devant aussi. Donc voilà, critiquez pas ma visée. Si je voulais soldat. Un truc dans lequel on injecte des produits chimiques, de l'électricité, oh. Et je sais pas quoi d'autre. On n'appelle pas ça un homme. Et les phrases aussi, franchement ça me fait trop rire. Là, normalement, je suis censé aller en haut, quoi. Bon. Voilà, les bleus, les gros zombies bleus, faut les éliminer parce qu'ils balancent des boules de feu. C'est super mal. Ah, là, il y a une roue. Elle a été détruite, super. Donc, il faut protéger la porte qui est derrière moi. Voilà, cool, la porte. Si elle est détruite, bah, c'est perdu tout simplement. En haut, il y a un timer, 6 minutes, c'est le temps qu'on doit tenir. En quelque sorte, je dis bien. Parce qu'en fait, vous verrez à la fin, il faut obligatoirement tuer tous les joueurs qui vont nous attaquer.
Les joueurs ordi quoi, j'ai plus le nom, ça m'a échappé. Voilà, ça faut essayer. Oh ah. Là, il y a Faucheur qui arrive. Je l'ai ult. Faut pas que je me loupe, j'aurais tellement l'air de mouille. Donc là, j'attends un peu parce qu'il va. Fufu, allez, Fufu, voilà. Et là, j'y vais. En espérant que ça. Voilà. Voilà, Macri, il est bien pour ça. Oh, j'arrive pas, mais vraiment pas à viser, hein. C'est fou ça. Comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, je crois que ma sensi, elle est plus trop adaptée pour moi en fait. Donc je la baisse. Je trouve que c'est un peu trop rapide pour moi. Mais bon. Donc critiquez pas ma façon de viser. Je sais que je suis nulle avec ma cul. Et je pouvais pas faire autrement, hein, on m'a. Oh bah ça va. On m'a pris soldat, donc je suis triste. Bon bah le Thor il a l'air de s'en sortir. Ça va vous faire à gauche. Oh bah ça a été détruit avant, super. Ça, plus le mode est difficile, plus il y a les roues, il y en a plus d'abord, et aussi elles font super mal. Non, ça a été détruit aussi. Super. Comme vous pouvez le voir, je suis très utile. Donc voilà, en gros, le mode. Donc là, bientôt, il y aura un nouveau monstre. Comment ça, je... Eh, mais non, mais non. Vous n'étiez pas là, moi. Non mais c'est la blague. Tu failli être expulsé. Non mais sérieux. Oh là, c'est pas ma faute, ils détruisent tout. Oh, oh franchement là. Voilà le redag. On lui tire dans le lard. Voilà, je ne m'oublie donc. On va aider un petit peu. Accroché. Ouais, aussi, c'est une dernière volonté. Voilà. Oh, soldat. Super tir. Ouais, pourquoi me gêner? Je vais l'envoyer au soldat. Donc, après, ça sera. Comment on appelle ça? Symmetra. Donc là, généralement, ceux qui sont là où je suis, on fuit. J'ai. Ah non! Pour le dragon, on consomme tout! Voilà, nouveauté, vu que Symmetra a changé, maintenant elle est un wool. Voilà, super. Pas tiré. Oh, ça a rien fait. Là, on a foiré. Ah, si, mais je crois qu'elle a été tuée. Voilà. Le problème, généralement, quand il y a Symmetra. Déjà d'une, elle fait super mal et les gens ils ont tendance à paniquer et tout le monde se focus sur elle et c'est là que ben, justement il y a les roues, ce genre de choses qui arrivent et c'est là qu'on prend des dégâts. C'est pas très cool mais bon. Voilà, Chakashtan en haut. Oh non, il y a quelqu'un qui est parti. Mais c'est quoi ce pas fausse? Oh là là. Je suis obligé, la situation est critique. Ah tiens, coucou Reaper. Ah, je tire quand il est.
grenade. Accrochez-vous. Oh, trop loin. Donc là, vous pouvez voir mon génie. Avec Maxi. Voilà. Ah là, j'ai fait de gros dégâts, ça fait vite. Ah, lui, là, il est chiant. Hop. Donc, moi, j'adore ce mode. C'est rigolo, en fait. Ça change un peu. Et, pour moi, je pense que ça améliore un peu la vie sur certains persos. Ça se voit pas forcément là de suite avec Macri, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plus de réflexes, vu que c'est des mobs qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai l'impression que ça peut améliorer certains joueurs, ça peut être pas mal. Voilà. J'aurais dû prendre Enzo en fait. Là vous voyez, il reste 10 secondes, un peu moins. Et là ça sera la fin en fait. Il y aura Merci qui va apparaître, elle va ressusciter tout le monde à part Symmetra si je ne me trompe pas. Et pour gagner, il faut tout simplement tuer tout le monde. Voilà. Donc. Mes serviteurs ne meurent jamais. Ah, trop belle, j'adore. J'ai essayé de me... de charger ma barre. Ah voilà, je l'ai. Je vais me cacher. Quoi qu'il me chope. Voilà. Une dernière volonté. On attend, on attend, on attend, on attend. Bon, ils sont low. Voilà. Je vais essayer de m'occuper. Je ne vois pas. Voilà. Oh, je vais mourir. Voilà. Et... ah, mort. Donc là, on réapparaît. On peut pas être raide. Il faut juste attendre le temps. Voilà, ils disent de réapparition, pardon. Et voilà, là c'est gagné. Rodog a été tué. Voilà, à 3 on a terminé. Oh, c'est même pas moi. Bah ouais, c'est facile de se mettre en haut. Comment avoir un POTG facilement? On se met dans cette zone et puis c'est gagné. Je vote pour moi, voilà. Pas déconné non plus. Et hop, on va quitter. On va quitter, oui. Donc voilà, je vous ai montré en gros le un des modes de cet event. Voilà, donc c'est la vengeance du docteur Shackelstein. La vengeance sans fin, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait, ben, il n'y a pas de fin. C'est écrit dans le titre, c'est tout bête. C'est donc toujours les mêmes persos hein, qu'on peut choisir. Et l'ordre va être un peu différent, mais ça sera des vagues de monstres qui vont venir, à chaque fois avec... un joueur, comme on a pu le voir là, ça peut être Faucheur, Rodog, Symmetra, et alors je sais pas si en normal c'est comme ça, je sais plus, mais en gros, à un moment donné, on peut se choper de Rodog, de Reaper, c'est... voilà, ça peut devenir vite chaud si on s'en sort pas, en fait, et on peut se faire envahir par les vagues, et là, après, les zombies... plus les personnages, ce sera impossible à arrêter et ça va se détruire en fait, la porte elle va se détruire. Donc voilà, une petite vidéo assez courte. Bon, j'ai pas brillé par ma visée, mais au moins on a rigolé, j'ai failli me faire kick, un personnage, voilà, un mate est parti. Une vidéo, voilà, comme j'aime les faire, toujours avec des problèmes dedans. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire et par pitié,
Ne parlez pas de ma visée. C'est... Elle est nulle. Voilà. Donc, voilà, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne, voilà, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à plus et prenez soin de vous.